Bonjour à tous et bienvenue à ce débat. Donc, on va commencer dans quelques instants, histoire qu'il y ait un peu plus de monde et voilà. Monsieur Cazeneuve, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, de l'architecte de la transition numérique des entreprises OnePoint et en partenariat avec le journal La Tribune. Monsieur Cazeneuve, une chose est sûre, votre parcours est atypique. Ministre de l'Intérieur un temps, puis Premier ministre éphémère, vous vous retrouvez à la table d'énarque, certains diront par la simple volonté de votre collègue et ami, Monsieur François Hollande. C'est en effet en 2011, pendant sa campagne, que le grand public vous découvre. Homme raisonnable, d'apparence sérieuse, vous semblez gentil, peut-être même trop gentil pour un univers aussi cinglant. Vous apparaissez comme le bon soldat du président. Fidèle parmi les fidèles, dévoué pour la France, les Français et pour l'État. Vous défendez un langage politique différent, plus pacifiste, vous voulez favoriser le débat. Néanmoins, vous vous retirez bien vite face à la déconvenue du mandat de François Hollande et la division de la gauche. Doit-on lire ici, Monsieur Cazeneuve, un aveu d'échec ou la marque suprême de votre dévouement à votre compagnon politique? Le doute plane toujours. Êtes-vous une des rares âmes charitables de la politique pour qui la passion de l'État ne peut et ne doit rivaliser avec celle du pouvoir? Ou manquez-vous simplement de la hargne nécessaire pour survivre dans un monde aussi féroce que celui de la politique française? Tentons donc, cher public, de percer le mystère qui se présente devant nous. Alors que vous n'êtes encore qu'étudiant à Sciences Po Bordeaux, vous illustrez déjà par votre militantisme auprès du mouvement radical de gauche, au sein duquel vous vous hissez au rang de membre du Bureau national. Mais le Bernard Cazeneuve que les Français connaissent aujourd'hui revient rapidement dans le droit chemin d'une politique plus consensuelle en rejoignant le PS. Œuvrant d'abord dans les cabinets ministériels, vous êtes finalement parachuté en Basse-Normandie au début des années 90. Bienvenue à Octeville, qui fusionnera par la suite avec Cherbourg. Soyons honnêtes, nous comptons sur vous ce soir pour ne pas faire des réponses de Normand. En étant successivement maire, conseiller régional et député de la Manche, vous devenez une figure locale de gauche sans pour autant que tous les Français ne vous connaissent vraiment. C'est François Hollande qui vous met sur le devant de la scène pour être porte-parole de sa campagne présidentielle en 2011. Jean-Marc Ayrault ne manque alors pas de vous remercier avec le poste de ministre délégué aux Affaires européennes. On s'imagine que même vous, vous n'y auriez pas cru quelques mois plus tôt. Alors si en plus on vous avait dit que vous seriez ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre quelques années plus tard, même François Hollande n'y aurait pas cru. Pourtant, en 2014, vous devenez ministre de l'Intérieur.
mais difficile de succéder à celui qui est devenu chef du gouvernement, Manuel Valls. Son passage place Beauvau a laissé une empreinte forte qui semble vous éclipser quelque temps, au point de vous voir surnommé le deuxième flic de France. Mais le vent tourne en 2015, alors que vous vous retrouvez au cœur des attentats tragiques de janvier et novembre. Pendant 3 jours, du 7 au 9 janvier, la France est paralysée d'horreur, meurtrie devant l'ignominie des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère Porte de Vincennes. Vous êtes au cœur de la crise, les regards se braquent sur vous. C'est avec émotion, chagrin, courage et humilité que vous embrassez le rôle qui est le vôtre, gérez la crise et prenez la tête d'un combat derrière lequel la France entière, soudée, vous soutient. Vous êtes irréprochable, empathique, image solide de la résistance de la France forte, vous êtes applaudi unanimement par l'Assemblée nationale dans ce triste contexte. Après les 13 et 14 novembre, vous faites une nouvelle fois preuve de sang-froid dans un pays endeuillé et rendez hommage aux citoyens tombés lors des assauts. Vous pilotez l'état d'urgence et son adoption par le Parlement, bien que vous soyez critiqué par la suite pour la gestion de l'attentat de Nice. Mais votre mandat de ministre de l'Intérieur ne s'y résume pas. Vous faites face à d'autres affaires cinglantes, la mort de Rémi Fraisse et d'Adama Traoré, entre autres. Vous n'affichez alors aucune grande ambition pour Matignon ou l'Élysée, et vous confiez d'ailleurs avoir répondu à l'appel de François Hollande au poste de Premier ministre, plus par loyauté et par fierté de servir la nation que par velléité politique. En effet, vous héritez d'une place peu commode. Alors que François Hollande a annoncé ne pas se représenter, que Manuel Valls prépare la présidentielle et que la gauche apparaît plus désunie que jamais. Nous nous demandions alors, Monsieur Cazeneuve, seriez-vous le nouveau héros de la gauche, figure de la renaissance du PS, vous, le bon samaritain? Cela ne semble pas évident. Vous décidez de vous retirer de la vie politique en 2017 en reprenant votre carrière d'avocat d'affaires à Paris, mais en vous appelant toutefois à la rédaction de 2 ouvrages relatant votre vision du mandat Hollande. Mais alors que vous semblez bien loin de la vie, ou plutôt de la survie du PS, certains se demandent, est-ce en réaction à la vision d'Olivier Faure, reçue il y a peu par les mardis de l'ESSEC, que vous vous décidez aujourd'hui à remonter sur les estrades et à défendre un nouveau plan pour le PS? L'heure est aux réponses. Monsieur Cazeneuve, réussirez-vous ce soir, mieux que votre prédécesseur, l'exercice périlleux de nous démontrer que le PS a encore un avenir? Et si tel est le cas, quel rôle y jouerez-vous alors? Cher public, nous vous souhaitons un excellent débat. Bien, Monsieur Cazeneuve, bienvenue et merci d'avoir accepté une nouvelle fois l'invitation des Mardis de l'ESSEC. Vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient de vous être faite par Chloé et Victor. Vous avez parlé beaucoup, finalement, et assez longtemps pour une présentation, et vous m'autorisez quelques mots pour vous répondre. Je vais essayer d'aller à l'essentiel en répondant aux questions directes que vous m'avez adressées. D'abord, est-ce que j'ai quitté la vie politique? Non, je n'ai pas quitté la vie politique, c'est la vie politique qui m'a quitté. C'est-à-dire que la conception que j'en ai, l'idée que je me fais de l'exercice de l'État, de la responsabilité publique, de la nécessaire crédibilité quand on exerce des responsabilités, soit qu'on nous a fait confiance en nous les confiant, soit qu'on a été élu pour un mandat, implique en termes de comportement, de vision, une exigence. Et je vois partout le tumulte, le vacarme, la radicalité, les polémiques, une forme d'abaissement dans lequel je ne me reconnais pas. Je ne suis pas le seul homme politique français dans l'histoire de notre pays qui, à un moment donné de sa vie politique, parce qu'il ne se reconnaissait pas dans ce que la politique était en train de devenir, s'est mis en retrait. Et quand je dis que la vie politique m'a quitté, davantage que je ne l'ai quitté, c'est précisément parce qu'elle s'est engagée dans une pente qui me paraît funeste, que je considère comme un abaissement, et je n'ai pas envie de participer à cela, parce que ce n'est ni mon tempérament, ni mes convictions. Est-ce que cela signifie que si un jour je devais être en situation de sacrifier ce que je fais aujourd'hui pour reprendre des responsabilités publiques, je ne le ferai pas? Bien entendu, je prendrai mes responsabilités s'il fallait le faire un jour, pour le pays, pas pour moi. Je suis d'ailleurs extrêmement critique et agacé de la pente égotique, narcissique dans laquelle la politique s'est engagée et qui conduit ceux qui parlent tous les matins dans les matinales à parler d'eux plutôt que du pays. Et donc, mon état d'esprit est celui-ci. Est-ce que je peux jouer un rôle à gauche? Oui, mais je ne peux pas non plus ne pas constater que la direction globale dans laquelle elle s'est engagée ne correspond pas non plus à la conception que j'ai de la gauche.
Pour moi, la gauche, c'est le courage d'exercer la responsabilité du pouvoir en ayant le courage d'être crédible en l'exerçant. C'est le refus des combinaisons de partis qui consistent, avant de prendre une position, de s'assurer qu'elle est bien à l'épicentre des positions de tous les autres avec lesquels on prétend s'unir. C'est définir une direction, une force qui emporte avec elle la conviction du plus grand nombre, parce que pour gouverner, il ne faut pas satisfaire simplement les minorités qui tiennent les appareils, il faut parvenir à rassembler la majorité de ceux qui votent, et ce n'est pas tout à fait le même exercice. Donc voilà quel est mon état d'esprit. Je n'ai pas du tout l'intention, pour plaire à l'air du temps, de donner dans la meute et de sacrifier quoi que ce soit à quoi je crois pour le pays. Vous vouliez une réponse qui ne soit pas de Normand, elle est faite. Cette réponse est très bien, Monsieur Cazeneuve. Bien, dans ce débat, nous allons nous consacrer à la thématique de l'identité, et plus précisément l'identité dans les crises, entre menaces, réaffirmation et recomposition. Pour ce faire, trois axes seront étudiés, et le premier sera consacré à vous, Monsieur Cazeneuve, à votre expérience riche et multiple en tant qu'homme de terrain, en tant que ministre, premier ministre, mais également avocat. Et cet axe sera l'occasion de mieux pouvoir appréhender vos prises de position sur des sujets variés touchant l'identité, et l'identité dans son actualité la plus proche avec la crise du Covid. Dans un second temps, nous nous intéresserons au climat de tension sociale qui règne aujourd'hui en France en analysant la relation liée entre les forces de l'ordre et la population française. Et dans un troisième temps, nous nous interrogerons sur la question suivante qui est: qu'est-ce qu'être français dans une société française, parfois en perte de repères républicains, en abordant la question de la société française face à l'épreuve du communautarisme, du séparatisme ainsi que de l'islamisme radical. Alors, comme vous venez de le rappeler récemment, la vie politique vous a quitté peut-être plus que vous n'avez quitté la vie politique. En effet, en 2017, lorsque vous décidez de reprendre votre carrière d'avocat, vous déclariez pour le Figaro « J'aime le droit et assez peu le tordu, c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner un peu du monde politique ». Et vous différez à ce titre de ce que Jordan Bardella, que nous recevions il y a quelques mois en tant que vice-président du Rassemblement national et député européen, qui nous disait à l'époque qu'être plongé dans le monde politique, c'était être piqué par un virus dont il n'existerait malheureusement pas de vaccin. Oui, vous avez de curieuses références. Je crois que ce qu'il faut se méfier quand on est dans l'action publique, c'est du processus d'addiction auquel elle peut conduire. Il y a une forme de griserie dans la politique. Je parlais tout à l'heure de la dimension narcissisante de la politique, de l'égotisme qui ronge jusqu'à l'esprit de service public et le sens de l'intérêt général. Et j'ai vu beaucoup d'acteurs, je me suis comporté aussi en entomologiste lorsque j'étais au gouvernement, j'ai regardé le comportement des uns et des autres. Je n'ai pas passé que 5 ans au gouvernement, j'étais pendant 20 ans élu local. Et donc j'ai été dans ma vie politique beaucoup plus longtemps au milieu de mes électeurs, des habitants de Cherbourg, du Cotentin, que je ne l'étais autour de la table du Conseil des ministres. Et donc j'ai vu ce que l'incapacité à faire autre chose que de la politique dans la vie pouvait engendrer de mauvais comportements. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ne faire que de la politique, c'est s'enfermer dans un monde qui ne correspond pas nécessairement ou même assez rarement à ce qu'est la société réelle, et pouvoir se replonger dans la vie normale est une bonne manière de jauger et de juger ce que l'on a pu faire, ce que sont les comportements politiques lorsqu'ils sont appréciés par ceux qui parfois ont à les subir. Et donc il est bon d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et le deuxième élément, c'est que l'exercice de la politique en ne faisant que cela conduit parfois ceux qui cèdent à cette facilité à perdre totalement leur liberté. Moi, je tiens par-dessus tout à ma liberté. Jamais on ne m'a rien imposé, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan des idées, ni sur le plan personnel. Et je crois que la meilleure manière d'être libre, c'est de ne pas dépendre du prochain accord d'appareil qui fera que vous serez désigné ou vous ne le serez pas. C'est de pouvoir exprimer une idée parce qu'elle correspond à une conviction profondément ancrée en vous et non pas de l'énoncer parce que vous dépendez de tous les autres
dont la vie est nécessaire à l'avènement de vos objectifs, de vos ambitions. Et donc, l'addiction à la politique, elle est extraordinairement restrictive de la liberté de ceux qui en sont victimes. Et moi, je tiens à la liberté à tout prix, absolument. Enfin, troisièmement, il faut distinguer ce que sont les jeux de la politique. Et on l'a vu sous la 4e République, à quoi pouvaient conduire les combinaisons d'appareils, et ce qu'est l'intérêt général. Il a fallu d'ailleurs à la fin de la 4e République qu'un homme qui s'était toujours méfié des partis, qui s'était tenu aux marges, qui avait traversé le désert longtemps, après avoir d'ailleurs accompli des actes héroïques au moment de la Seconde Guerre mondiale, vienne sortir le pays de la torpeur et de la médiocrité dans laquelle le système des partis l'avait enfermé pour que la France se redresse. Et cet homme, il avait sa liberté de ton, de vision, et rien dans sa vie politique n'est venu l'altérer de quelque manière que ce soit. Donc, l'addiction à la politique, elle est un enfermement. Et elle est un enfermement qui, comme tous les enfermements, est privatif de la liberté de jugement et de la liberté de mouvement. Or, je pense que nous sommes dans une période où il faut des esprits libres, parce que c'est la liberté de raisonnement, de, encore une fois, de mouvement, de positionnement, qui peut permettre à des individus, à un moment donné, de rappeler ce qu'est le sens de l'intérêt général, plutôt que de se laisser aller, petite combinaison d'appareils, sur lesquels je porte un jugement extrêmement sévère. Merci pour votre réponse. Vous l'aviez dit, vous l'avez rappelé juste avant, vous étiez donc maire de Cherbourg-Octeville de 2001 à 2012, donc vous aviez une excellente connaissance des enjeux locaux et une grande proximité avec les citoyens. Et c'est pour ça qu'on se pose cette première question. C'est finalement, est-ce que le cumul antérieur des mandats ne permettrait-il pas un meilleur ancrage des parlementaires sur le terrain? Et globalement, peut-on faire de la politique en ayant été propulsé directement aux fonctions à grande responsabilité étatique sans avoir eu un passé d'élu local? Je commencerai par la deuxième question. Est-ce qu'on peut exercer des responsabilités éminentes sans avoir une expérience de la relation avec les Français, de l'administration locale, des difficultés auxquelles les citoyens sont quotidiennement confrontés, comme on dit dans les émissions ou certains feuilletons, toute ressemblance avec des personnalités ayant existé serait fortuite. Enfin, je pense qu'il s'agit de regarder un passé récent pour se rendre compte que ça peut marcher moins bien, ou en tous les cas pas mieux. Et deuxièmement, le cumul des mandats et la responsabilité locale. J'ai jamais été très favorable à l'imitation du cumul de mandat. Parce que dans la ville dans laquelle j'étais député-maire, je voyais très peu de citoyens qui me demandaient de cesser d'être député et de cesser d'être maire. Et lorsque la question de la limitation du cumul des mandats s'est posée, ceux qui souhaitaient que je reste député et maire m'ont dit « Oui, nous, le cumul des mandats, pourquoi pas, mais pas vous. » Alors, je leur ai expliqué que c'était quand même très difficile de mettre en place un dispositif pour tous les autres qui ne s'appliquerait pas à moi-même. Mais le cumul des mandats avait cet extraordinaire avantage, et je pense qu'on se rendra compte quand on aura pris du recul, de permettre à des femmes et des hommes qui avaient une expérience très profonde de la relation avec les territoires. C'est fondamental, les territoires en politique. Les territoires sont des paysages, sont des citoyens, ce sont des contextes, ce sont des difficultés, ce sont des souffrances que l'on porte avec soi lorsqu'on est élu d'un territoire. Et lorsqu'on a été élu des territoires et qu'on a été en même temps élu national, on portait à l'Assemblée nationale non seulement l'ambition d'une majorité dont on était membre, mais aussi toute l'histoire des citoyens avec lesquels les relations s'étaient nouées et que finalement, par l'exercice du pouvoir dans la proximité, localement, on entendait ne pas trahir. Aujourd'hui, nous sommes passés de cette réalité où les choses étaient ancrées, incarnées, enracinées, à la politique numérique qui conduit certains parlementaires à expliquer qu'ils n'ont plus besoin d'aller dans leur circonscription puisqu'ils peuvent communiquer avec leurs électeurs par Internet et que leur rôle principal est de faire la loi. Je pense que ça ne contribue pas à la relation de confiance entre les citoyens et leurs représentants. Et autant il était nécessaire de limiter le nombre de mandats,
autant nous aurions pu limiter le nombre de mandats sans aller jusqu'au mandat unique qui aboutit à bien des difficultés. Parfois même, ces difficultés peuvent contribuer à l'émergence d'incongruités politiques. Donc, nous nous sommes adressés à M. Bernard Cazeneuve, ancien maire. Maintenant, nous allons nous adresser à vous en tant qu'ancien ministre délégué au budget. Donc, vous l'étiez en 2013. Et alors, vous affirmiez finalement vouloir poursuivre la politique de réduction des déficits publics. Et c'est pourquoi nous allons maintenant vous poser une question qui touche à l'actualité. Le volume de la dette, on le sait, n'a que fait s'accroître. Et les réponses à la crise sanitaire en 2020-2021 l'ont considérablement augmenté. Et c'est pourquoi on se pose la question finalement, comment selon vous serait-il possible d'envisager le remboursement de la dette Covid ? Bon, d'abord, pour ce qui concerne la dette et le rétablissement des comptes, j'ai été effectivement ministre du budget. Vous avez raison de rappeler, c'était effectivement le discours que j'avais à l'époque et qui correspondait à mes convictions, qu'on ne peut investir dans un pays sur ce qui est essentiel, dégager des marges de manœuvre pour les politiques les plus importantes qui relèvent de la transition écologique, de la recherche, de l'innovation, de ce qui relève vraiment des politiques d'investissement dans les infrastructures dont le pays a besoin pour créer les conditions d'une croissance sûre et sobre dans un contexte où les défis climatiques sont ce qu'ils sont, que dès lors qu'on maîtrise la dépense de fonctionnement. Et maîtriser la dépense de fonctionnement, ce n'est pas passer au rabot tous les services publics, comme cela a été le cas au moment de la révision générale des politiques publiques, c'est essayer de créer des conditions de transformation de l'administration et qui permettent, en maîtrisant la dépense publique, d'aboutir à une meilleure organisation, une meilleure qualité du service public. Et lorsque, par exemple, j'ai mis en place le programme Préfecture Nouvelle Génération lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget voulait que je rende 5000 emplois, et je lui ai indiqué à ce moment-là que j'entendais engager une réforme des titres d'identité notamment, permettant par cette réforme de dégager des marges de manœuvre qui me permettrait de rendre des postes sans remettre en cause le service public et d'utiliser les postes que je n'aurais pas rendus, puisque cette réforme permettait d'économiser davantage de postes que me demandait le ministère du Budget, pour recréer des postes dans l'administration déconcentrée de l'État. Eh bien, c'est ce type de démarche que nous devons avoir, qui sont des démarches imaginatives, de transformation de l'administration. Les ministres ont un rôle fondamental à jouer pour participer de ce mouvement, et ces réformes doivent permettre de maîtriser la dépense publique par la transformation de l'administration pour pouvoir créer des postes là où c'est nécessaire. Et dans le même temps où je faisais cela, je vous rappelle que 9000 postes de gendarmes et de policiers ont été créés au ministère de l'Intérieur, là où la révision générale des politiques publiques avait conduit à la suppression de 13000 postes. Nous avons pu recréer une direction d'administration centrale de la formation pour mettre l'accent sur la formation des policiers. On peut dire que ce n'est pas moi qui ai diminué le temps de formation des policiers, mais un de mes lointains successeurs en 2020, alors que j'étais parti depuis longtemps du ministère de l'Intérieur. Et donc, je pense que si être de gauche, c'est de dire qu'on peut dépenser sur tous les sujets à tout moment en accroissant les dettes et les déficits, un moment viendra où on ne pourra plus dépenser du tout parce qu'on aura mis le pays en situation d'asphyxie totale. Est-ce que la situation du Covid implique qu'on efface la dette ? C'est un sujet qui, à mon avis, ne peut pas se poser autrement que dans un cadre allant au-delà de la France, pour des raisons qui tiennent au fait que nous avons une monnaie unique, que nous avons, parce que nous avons une monnaie unique, une nécessité de coordonner les politiques budgétaires et monétaires européennes, ce sont les traités, et que s'il doit y avoir des mesures prises en ce domaine, et je n'y suis pas défavorable, loin s'en faut, il serait hautement souhaitable qu'elle procède d'une décision européenne et par conséquent d'une réorientation de la politique de l'Union, car même si l'Union a pris de bonnes décisions au moment de la crise à travers le plan de 750 milliards d'euros, il faut bien reconnaître que cette décision n'a pas été prise sans devoir convaincre des pays qu'on appelle les frugaux, Pays-Bas, Suède et autres, Danemark et autres nations, qui sont dans une conception de la gestion des finances publiques qui relève de l'orthodoxie davantage que de la préoccupation du bien-être des peuples.
Bien, alors Monsieur Cazeneuve, après nous sommes adressés à l'élu de terrain, nous nous sommes adressés à l'ancien ministre, adressons-nous maintenant à l'homme dont la vie politique l'a quitté. Vous avez affirmé en 2020 ne pas vouloir vous présenter au présidentiel de 2022 et garder pourtant une grande proximité avec le PS que vous n'avez pas quitté en plus de 30 ans. Vous déclariez à l'époque « la gauche n'a pas besoin d'ambitieux, la gauche a besoin d'ambition ». Cette ambition, on pourrait dire que c'est celle que souhaite voir émerger Yannick Jadot lorsqu'il convoque une discussion avec les grands représentants de la gauche, discussion à laquelle plusieurs grands élus de gauche ont déjà répondu présents, à l'instar de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon ou encore d'Olivier Faure. Faure défendait d'ailleurs lors d'un précédent débat l'idée d'une union de la gauche. Pourtant, derrière cette union de la gauche, de profondes divisions persistent. Et ces divisions se ressentent aujourd'hui dans les chiffres, puisque selon un sondage IFOP publié à la mi-mars, dans l'hypothèse d'une candidature Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot et Anne Hidalgo en 2022, aucun de ces quatre candidats ne dépasserait les 10% d'intention de vote au premier tour. Ainsi, croyez-vous réellement en cette discussion féconde des représentants de la gauche, ou peut-être devrions-nous dire des gauches, qui pourrait amener à une candidature unique de la gauche en 2022 et rabattre les cartes d'un duel Macron-Le Pen qui semble se profiler plus inéluctablement que jamais à l'horizon? D'abord, l'union de la gauche est bien entendu toujours souhaitable si la gauche veut gagner. Mais l'union de la gauche ne peut pas procéder d'une incantation et elle ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et tous ceux qui pensent qu'au motif que François Mitterrand a fait l'union de la gauche, il s'agit de la souhaiter, de la faire pour retrouver l'élan des années 70 et 80 se trompent, parce qu'ils oublient un élément fondamental, c'est que l'union de la gauche n'a pu s'effectuer que parce qu'il y avait une force politique qui s'était reconstituée, qui avait une puissance considérable, qui n'a cessé d'augmenter de la création du nouveau Parti socialiste à Épinay jusqu'en 1980. Il a fallu 10 ans d'ailleurs pour faire ce travail. Et cette force s'est constituée à partir d'un Parti socialiste qui s'est distingué du Parti communiste et qui s'est distingué de la vieille SFIO, qui a, à travers les talents qu'il a rassemblés et les audaces dont François Mitterrand a été capable, montrer qu'il pouvait constituer une force d'aimantation du reste de la gauche, et c'est parce que cette force était une force d'aimantation que l'union était possible. Donc, si l'on veut l'union de la gauche, il faut qu'il y ait à un moment donné une force politique qui, par la puissance de son projet, de sa vision, la fidélité aussi à un certain nombre de valeurs héritées de l'histoire de la République, parviennent à s'imposer suffisamment dans le paysage pour pouvoir emporter avec elle tout le reste. Vous y croyez, M. Cazeneuve ? Ah ben, je crois tout à fait à la possibilité de cette force de se constituer, mais aussi faudrait-il, pour que cette force se constitue, que la gauche ne tourne pas le dos à ce qu'est son histoire profonde, c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas le dos à l'universalisme républicain, qu'elle n'ait aucune concession à l'égard du communautarisme, qu'elle ne confonde pas l'universalisme et le racialisme, ou qu'elle n'abîme pas l'universalisme dans ces démarches que l'on voit poindre beaucoup à gauche et qui conduisent la gauche à se perdre intellectuellement, politiquement et moralement. Et donc, il faut, pour que cette force se constitue, une clarté de pensée. Et cette clarté de pensée qui m'a conduit la semaine dernière à dire ce que je pensais de la République, du vivre ensemble, de l'unité, de l'indivisibilité de la République, et à dire ce que je pensais de la pente racialiste, différentialiste, communautariste qui conduit la gauche à considérer une certaine gauche que la société française ne serait que la juxtaposition d'individus soucieux avant tout de leur identité dictée par leurs origines philosophiques, religieuses. Tout cela ne peut conduire qu'à l'abandon de ce qu'est l'ambition universaliste, humaniste que la gauche a portée non seulement comme un héritage, mais comme une ambition, parce que la lutte contre les discriminations, la lutte pour le respect de chacun, quelles que soient précisément ses origines, ses différences, sa pensée, ses appartenances, suppose que la pensée universaliste soit suffisamment forte pour que chacun ait à l'esprit que
ce qui fait notre appartenance à la nature humaine, à la condition humaine, c'est l'essence profonde de ce que nous sommes et pas nos appartenances, et que c'est cet universalisme qui permet le respect de chacun dans ses différences, alors que l'exaspération des différences, l'enfermement dans les différences, conduit mécaniquement à la confrontation de tous contre tous. Et donc, il faut qu'il y ait une force qui soit dans la clarté. Je crois beaucoup que la clarté de la pensée, la détermination à ne pas brader des choses fondamentales, est la condition de la reconstitution d'une force. Bon. Et donc, l'union ne peut se faire qu'à partir du moment où cette force se constitue, parce qu'elle est de nature à rassurer les Français, elle est dans la crédibilité, elle est dans la fidélité à ce qu'est la gauche humaniste dans le temps long de son histoire. Et donc, comme cette force non seulement ne s'est pas constituée, mais que la stratégie des socialistes a été de considérer qu'il fallait s'effacer, précisément pour permettre le rassemblement, eh bien, il n'y aura plus de force et il risque de ne pas y avoir de rassemblement. Précisément parce qu'il n'y a pas de rassemblement là où il n'y a pas une force constituée qui emporte avec elle toutes les autres. Alors, je vois qu'il y a des initiatives pour que tout le monde se rencontre. Mais le fait que tout le monde se rencontre ne donne pas naissance à une force si on ne fait pas la clarté sur les différences. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'être aux côtés d'une gauche qui considère qu'il y a une consubstantialité de la violence, de la discrimination à l'État. Et moi, je n'ai pas envie d'être à côté d'une gauche dont le leader va dans les manifestations des Gilets jaunes pour expliquer aux Gilets jaunes qu'ils doivent se méfier des policiers parce qu'ils sont des barbares. Et je n'ai pas envie d'être à côté d'une gauche qui, sur tous les sujets, prend les positions nécessairement les plus radicales, de nature à créer les confrontations les plus grandes, au détriment de la crédibilité, qui passe aussi par la capacité d'apaisement de la société française. Et donc, je ne crois pas à un rassemblement qui se ferait dans l'ambiguïté, je ne crois pas à un rassemblement qui serait une juxtaposition de faiblesses, parce que quand vous additionnez des faiblesses entre elles et les scores qu'elles sont susceptibles de faire, comme le faisait remarquer Axel dans sa question, ça ne fait pas des additions, ça fait des soustractions. Et les résultats de sondage dont vous parliez tout à l'heure, ils sont à mon avis très emblématiques de ce que donne cette stratégie. Donc nous allons maintenant débattre sur un autre sujet, donc sur la tension sociale en France au travers de la relation, on en a déjà un peu, vous l'avez déjà abordé, entre les forces de l'ordre et les Français. Donc le climat n'a jamais été aussi tendu depuis quelques années. Ces violences ne sont pas nouvelles. Hein. Alors que vous étiez ministre de l'Intérieur déjà en 2016, l'affaire Adama Traoré a fait couler beaucoup d'encre et échauffer les esprits. Donc à l'époque, vous appeliez au calme et à l'apaisement pour faire éclater la vérité. La famille de la victime vous accusait alors de balayer la question d'un revers de la main et surtout dénonçait un manque de transparence de la part de l'État en matière de violences policières. Et pourquoi est-ce qu'on va vous interroger aujourd'hui sur ces sujets-là? C'est parce qu'en 2021, donc en février, il y a une dernière expertise médicale qui aurait prouvé que le plaquage ventral et l'interpellation qui a provoqué le décès d'Adama, enfin, c'est bien le plaquage ventral qui a provoqué le décès d'Adama. D'où notre question aujourd'hui. Devant des affaires délicates donc comme celle d'Adama Traoré et ses rebondissements, est-ce que vous soutiendrez aujourd'hui, comme vous l'avez fait en 2016, l'action des forces de l'ordre dans son entièreté? Plus généralement, est-ce que le premier flic de France se doit de soutenir inconditionnellement les autres flics de France? Mais je trouve, pardonnez-moi, votre question curieusement tournée. Et permettez-moi de vous répondre méthodiquement. Moi, je crois à l'état de droit. C'est-à-dire que la vérité, sur des sujets aussi graves que ceux dont vous venez de parler, ils viennent du travail méthodique de la justice. La vérité, elle n'est pas le résultat des emportements de la rue. Parce que lorsque on cherche à ce que la vérité soit celle du plus grand nombre qui manifeste dans la rue, qui est d'ailleurs parfois un petit nombre, c'est à la foule qu'on demande de rendre justice, pas à la justice et aux institutions. Or, sur le sujet dont vous parlez à l'instant, il y a des procédures et des instructions judiciaires. Moi, je ne suis pas dans le détail des expertises et je ne suis pas dans le soutien des forces de l'ordre, quoi qu'il arrive. Je considère d'ailleurs qu'un ministre de l'Intérieur ne doit pas être derrière les policiers, les gendarmes, quoi qu'il fasse.
Il doit être devant avec des principes déontologiques qu'il exprime. Et moi, lorsque l'affaire Adama Traoré s'est produite, contrairement à ce que j'ai entendu dire parfois par certains organisateurs de manifestations, je ne me suis pas rendu à Beaumont pour féliciter les gendarmes. Je ne suis jamais allé à Beaumont et je n'ai jamais rencontré les gendarmes qui ont eu à intervenir dans cette affaire, pour la bonne et simple raison que j'estimais que mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'était de demander à ce que la justice conduise les investigations en menant toutes les expertises nécessaires pour faire en sorte que la vérité soit possible. Et je maintiens cela. Moi, je n'ai pas à avoir la main qui tremble ou à avoir un quelconque remords pour avoir tenu des propos qui étaient des propos que me dictait le respect de l'état de droit. Lorsqu'il y a des jeunes qui meurent dans des opérations de maintien de l'ordre ou qu'il y a au moment d'une intervention policière un jeune qui meurt, quelles que soient d'ailleurs les conditions dans lesquelles, enfin les raisons pour lesquelles il a été amené à être interpellé ou les actes qu'il a pu commettre qui pouvaient être des infractions, on ne peut pas admettre dans une démocratie qu'à l'occasion d'une intervention, un jeune meurt. Et c'est à la justice de faire son travail. Ce n'est pas les jugements rendus par la justice dans un pays, ce ne sont pas des slogans de manifestation. Ce sont les magistrats qui, au terme d'instruction, rendent la justice. Ce n'est pas de la foule qui doit déterminer qui est coupable, qui ne l'est pas. Parce que ça s'est déjà produit. C'est déjà produit dans l'histoire de notre pays et on sait à quel type d'excès ça a conduit. Et tous ceux qui s'expriment à l'occasion de ces manifestations, en dehors de ces manifestations, pour théoriser l'idée que la police dans ce pays aurait des instructions pour discriminer, pour organiser la violence, prennent la lourde responsabilité de créer les conditions de la révolte à l'égard des institutions, de ceux qui finissent par croire ce message comme étant un message juste et qui n'est pas républicain. De la même manière, j'ai été accusé par certains responsables politiques, notamment M. Mélenchon, d'avoir contribué, je reprends ces mots, à l'assassinat de Rémi Fraisse. J'ai d'ailleurs attaqué M. Mélenchon en diffamation. Il ne s'est jamais rendu aux convocations de justice, ce qui est une curieuse manière d'être républicain. L'Assemblée nationale, saisie d'une demande de lever son immunité parlementaire, n'a pas levé son immunité parlementaire. Et ce type de comportement non plus ne correspond pas à ce que doit être un comportement républicain, parce que lorsque le drame de Rémi Fraisse est survenu, alors même que pendant des mois, et là on peut établir la traçabilité de mes instructions, j'avais manifesté auprès de mes services et de mes collaborateurs ma préoccupation que la situation ne dégénère pas. Quand ce drame est survenu et que les enquêtes ont révélé ce qui s'était passé, j'ai pris mes responsabilités pour interdire définitivement l'utilisation des grenades offensives et tirer tous les enseignements qui devaient l'être en matière de maintien de l'ordre. Parce que précisément, comme ministre républicain, je considérais qu'il n'était pas possible que dans des opérations de maintien de l'ordre, ce type de tragédie puisse survenir. Bon, de la même manière, lorsqu'il y a eu les manifestations contre la loi travail, j'ai eu pendant des semaines et des semaines, avant chaque manifestation, avec le préfet de police de Paris, à essayer de déterminer la stratégie la meilleure pour éviter que des casseurs ne viennent créer dans des manifestations ou manifester des militants sincères les conditions d'une confrontation absolue. Et là aussi, si le Parlement faisait une commission d'enquête sur ce qui s'est passé à ce moment-là, il retrouverait les ordres d'opération et je crois rendrait un grand service à la République pour rétablir la transparence sur un certain nombre de faits. Mais quand, à l'occasion de ces mêmes manifestations, après qu'elles s'étaient déroulées, je voyais placarder avenue Vincennes sur les murs d'un certain nombre de bâtiments, des affiches sur lesquelles il était écrit « Les policiers ont un cœur, c'est là qu'il faut frapper », je me posais la question de savoir de quel côté était la violence. Enfin, permettez-moi de vous dire une chose. Moi, j'ai vécu les attentats terroristes. J'ai vu un couple de policiers assassinés à son domicile. J'ai vu Ahmed Merabé, policier républicain, portant l'uniforme, assassiné
par des terroristes. J'ai vu les policiers blessés en nombre, victimes de la délinquance. Et tous ceux qui théorisent des violences policières n'ont jamais un mot lorsque il y a les enfants derrière les cercueils des policiers et des gendarmes, après qu'ils ont perdu la vie, confrontés à une violence qui est devenue pour eux une réalité quotidienne. Donc moi, je suis un républicain. Et j'ai une pensée et une démarche équilibrée sur ces sujets qui est arrivée à une certaine conception du droit et à certaines conceptions aussi de l'ordre public. Et je ne me laisse pas impressionner par des campagnes qui sont orchestrées pour créer, pour des raisons politiques et à partir de postures politiques, la confrontation la plus grande à l'intérieur de la République, en prenant le risque ensuite du chaos. Bien, vous venez de mentionner les emportements de la rue et ces violences de la rue parfois. Certaines mesures ont été intentées d'être mises en place pour calmer ces mesures et aller à l'apaisement d'une certaine façon dans la société française. Alors même que vous étiez ministre de l'Intérieur, certains députés, dont Benoît Hamon, proposaient ainsi la mise en place d'un récépissé afin de mieux encadrer les contrôles d'identité. Un récépissé peut s'apparenter à une forme de certificat de contrôle d'identité qui manifeste bien qu'un contrôle d'identité sur une personne a bien eu lieu tel jour à telle heure. Au moment où le récépissé est proposé à l'Assemblée nationale, l'UNEF, un syndicat étudiant, ainsi que la Ligue des droits de l'homme et nombre de personnalités de gauche, parmi lesquelles on trouve Jean-Marc Ayrault ou Benoît Hamon, étaient plutôt favorables à sa mise en place. Vous avez montré certaines réticences, vous, en 2016, à sa mise en place et rejoignez finalement le président Macron lorsque lui-même se dit plutôt défavorable à la mise en place d'un récépissé, puisqu'il juge que les actions pourraient être contre-productives et que le récépissé pourrait amener à certaines dérives. Ma question est simple, avez-vous une position qui a évolué en 5 ans sur le récépissé? Et sinon, quelles solutions concrètes pourrait-on aujourd'hui envisager pour remédier au contrôle aux faciès, rétablir un climat de calme entre les forces de l'ordre et le reste de la société française et calmer cette image d'une police qui peut parfois, par certaines minorités, être perçue comme discriminante? Mais d'abord, là aussi, essayons d'être rigoureux et scrupuleusement honnêtes. Est-ce qu'il existe des contrôles discriminatoires? Oui, il en existe. Et j'ai eu à saisir l'inspection générale de la police nationale à plusieurs reprises pour avoir constaté qu'il y avait des citoyens qui, en raison de la couleur de leur peau, en raison de leur appartenance à certains quartiers, en raison parfois simplement de leur apparence, étaient contrôlés de façon scandaleuse, infiniment plus que d'autres. Donc, oui, il existe ce type de comportement. Est-ce que ces comportements-là sont révélateurs de ce qu'est la police dans son ensemble? Je ne le crois pas, et je ne l'ai pas constaté. Et est-ce que ces comportements résultent d'une volonté de l'État d'organiser la discrimination par les moyens de la police? Encore moins. Et ces comportements existent. Et donc, il est indispensable d'établir la traçabilité des modalités d'intervention des forces de l'ordre pour que ces comportements cessent. Comment le faire? Il y avait la solution du récépissé, qui était une formalité administrative qui pouvait être vécue par les policiers comme extraordinairement lourde dans un contexte où ils étaient soumis à rude épreuve. Je vous rappelle qu'il y avait la crise terroriste, qu'il y avait des manifestations, qu'il y avait aussi la question des zones à défendre, qu'il y avait une délinquance dans un certain nombre de quartiers qui montait, en tout cas qui se manifestait de façon plus violente et qui mettait les policiers à l'épreuve. Et par conséquent, ce que j'ai déterminé comme stratégie à ce moment-là, c'est de chercher le moyen d'établir la traçabilité de la relation entre la police et la population pour que ces discriminations ne soient plus possibles, et par un moyen qui ne mette personne en situation d'être en difficulté ou d'être humilié. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préconisé à ce moment-là la généralisation des caméras piétons, mais dont le déclenchement n'interviendrait pas à la discrétion de la police, mais qui interviendrait mécaniquement lorsque le policier entrerait en relation avec un citoyen. Ça avait l'avantage, j'avais beaucoup d'avantages, la généralisation des caméras piétons et l'obligation de leur déclenchement, d'abord parce que ça établissait une traçabilité incontestable de la manière dont la relation s'était engagée, et par conséquent, le policier
qui s'était mal comporté et qui avait à plusieurs reprises contrôlé la même personne, ça se voyait, ou la même personne qui avait été contrôlée plusieurs fois par des policiers différents, ça se voyait également, et la manière dont les uns s'étaient adressés aux autres était immédiatement identifiable. Et enfin, ça avait un deuxième avantage, c'est que la présence de la caméra piéton avait, précisément parce qu'elle avait ses caractéristiques, pour vocation de calmer immédiatement l'ensemble des protagonistes. Et donc, la stratégie que j'ai proposée à ce moment-là n'était pas d'évacuer le récépissé pour éviter la traçabilité de la relation entre la police et la population, ça a été de généraliser les caméras piétons dans le cadre que je viens de vous indiquer pour garantir cette traçabilité partout. Merci pour ces éléments clairs. Nous allons désormais nous interroger sur la société française à l'épreuve de l'islamisme radical. Donc, vous avez soutenu sur la chaîne YouTube le French Débat que pour vous, en 2014, chaque jour qui passait sans attentat était un jour où on avait le sentiment d'avoir gagné contre le terrorisme. Et c'est pour ça qu'on s'est demandé à quoi bon sans cesse améliorer la sécurité nationale avec des mesures parfois contraignantes si malgré tout un sentiment d'impuissance des autorités persiste. Toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre le terrorisme ont permis d'éviter bien des attentats. Si nous n'avions pas mis en place les mesures destinées à bloquer les sites qui appellent et provoquent au terrorisme, la haine numérique se serait généralisée. Je n'aurais jamais pu, en avril 2015 pour être précis, signer avec les principaux géants du numérique un accord par lequel ils s'engageaient à retirer, dès lors que ces contenus leur étaient signalés par la plateforme Pharos de la direction centrale de la police judiciaire, les contenus qui appelaient et provoquaient au terrorisme. Et si nous n'avions pas mis en place la peine d'infraction individuelle terroriste, nous n'aurions pas pu judiciariser la situation de ceux qui agissaient seuls sans être en lien avec d'autres acteurs. Si nous n'avons pas fait la loi sur le renseignement, parce que nous disposions, lorsque je suis arrivé à Beauvau, d'une loi qui datait de 1991, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet, et d'une époque où les délinquants n'utilisaient pas ces moyens. Et moi, lorsque l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray se produit, avec ce prêtre qui est égorgé dans son église, ceux qui ont préparé cet attentat ont utilisé des moyens cryptés. Donc, si l'État ne s'arme pas juridiquement, si on ne crée pas des milliers d'emplois dans les services de renseignement pour détecter les signaux faibles, si on ne crée pas les conditions d'une intervention plus contrôlée et plus efficace des services de renseignement, alors ce ne sont pas les attentats auxquels nous avons été confrontés que nous vivons. C'est des attentats en nombre infiniment plus significatif. Donc, le raisonnement qui consiste à dire « comme il y a eu des attentats, les lois ne servent à rien », c'est un raisonnement qui ignore complètement le nombre d'attentats qui ont été évités parce que, précisément, nous avons rehaussé les moyens dont nous disposions pour le faire face. Et c'est comme ça que le raisonnement doit être tenu. Et nous avons évité énormément d'attentats. Il y a de cela quelques semaines, je ne sais pas si vous avez suivi ce procès, le procès d'un individu qui a été arrêté à Argenteuil un soir alors qu'il était en train de fabriquer des explosifs destinés à faire sauter des infrastructures de transport à Paris. Si nous n'avions pas mis en place l'ensemble des mesures dont je viens de vous parler, il aurait vraisemblablement commis cet attentat et il y aurait eu des centaines de morts supplémentaires. Et lorsque l'état d'urgence a été mis en place, il n'a pas été mis en place pour remettre en cause les libertés fondamentales. Il a été mis en place parce qu'une violence extrême s'exerçait à l'encontre de l'État, qui impliquait que l'État de droit, pour maintenir précisément l'ordre public et le respect des libertés fondamentales, se protège contre une violence extrême qui s'exerçait à son encontre. C'est près de 4000 armes qui ont été récupérées et plusieurs dizaines d'instructions judiciaires qui ont pu être conduites sur la base des perquisitions administratives qui ont permis d'éviter le passage à l'acte de terroristes. Donc, est-ce que ces mesures-là qui ont permis d'éviter des attentats devaient ne pas être prises au motif qu'ils s'en produisaient malgré tout? Finalement, votre question renvoie à une réalité qui est une réalité très difficile de la lutte antiterroriste. C'est qu'on est toujours conscient
des attentats qui se produisent parce qu'ils sont spectaculaires et qu'ils ont été fomentés pour semer l'effroi, mais qu'on est souvent assez taiseux sur les attentats qu'on évite. Et le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est d'éviter le plus grand nombre possible d'attentats, mais même si, souvent dit, zéro précaution, c'est 100% de risque, 100% de précaution, ça n'est jamais le risque zéro. Oui, donc je vois ce que vous voulez dire. Nous allons quand même revenir sur un des faits qui s'est passé en octobre dernier, donc à savoir l'assassinat du professeur Samuel Paty. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que deux jours après le meurtre, l'actuel ministre de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, a décidé, entre autres, d'expulser 231 fichiers S. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt si ces personnes représentent un danger réel encore à leur expulsion soudaine? Pourquoi réagir plutôt qu'agir? Enfin, quel est le sens de ces fichiers S, finalement, le danger? Et d'abord, les fichiers S, c'est quoi une fiche S? Une fiche S, ce n'est pas un certificat de culpabilité, ce n'est pas un jugement de justice. Une fiche S, c'est un dispositif qui relève des services de renseignement qui mettent en attention des individus qui sont d'ailleurs mis en attention simplement parfois parce qu'ils peuvent fournir des renseignements, parfois parce qu'ils sont susceptibles d'être dangereux et que l'on surveille pour pouvoir les judiciariser et les mettre hors d'état de nuire. Parce que nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit, on ne met pas en rétention des individus au motif qu'ils pourraient éventuellement commettre une infraction. Parce que si nous engageons dans cette voie, vous voyez ce qu'il reste de la démocratie dès lors que cette doctrine est appliquée par des individus qui ne cherchent pas simplement à contingenter et à prévenir le terrorisme. Donc un état de droit, c'est un état dans lequel des individus ne peuvent être privés de leur liberté que dès lors qu'un travail judiciaire a été effectué, et si possible en amont du passage à l'acte, qui permet de neutraliser cet individu avant qu'il ne frappe. Eh bien, le dispositif de fichier S est un dispositif de mise en attention par les services de renseignement qui, par les investigations qu'ils conduisent sur ces personnes ou les renseignements qu'ils obtiennent à partir de la détection des signaux faibles ou des signaux forts, parviennent à récupérer suffisamment d'éléments qui sont autant de preuves de la volonté d'un individu de passer à l'acte, qui permettent sa judiciarisation et sa mise en détention. Et c'est la bonne démarche. Alors ensuite, vous me dites, pourquoi avoir expulsé au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty des gens fichés S qui étaient expulsables? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est ce que j'ai fait lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, et qu'il y avait des individus qui étaient étrangers et qui diffusaient des propos qui appelaient provoquer au terrorisme ou pour lesquels nous avions suffisamment d'éléments qui témoignaient de leur engagement dans des groupes préconisant l'adhésion à l'islam radical. Je les expulsais et ce n'était pas facile de le faire parce que pour expulser un individu, il faut non seulement que vous ayez suffisamment d'éléments qui justifie cette expulsion, mais il faut surtout, on l'oublie, que le pays d'origine de cet individu vers lequel vous allez l'expulser accepte de délivrer des laissez-passer consulaires, sans quoi vous êtes dans l'impossibilité technique et légale de procéder à son expulsion. Donc, la stratégie qui fut la mienne à l'époque a été de procéder à ces expulsions de façon systématique, mais sans aucune communication politique, de manière à pouvoir engager la discussion avec les États en vue de l'obtention des laissez-passer consulaires dans de bonnes conditions. Et généralement, lorsque je communiquais sur les expulsions, ce n'était pas pour dire celles auxquelles j'allais procéder, mais pour rendre compte de celles qui étaient déjà intervenues. Bien, donc ces questions d'islamisme radical, vous venez de le montrer, cristallisent quand même la société française. Dans son ensemble, la cristallisation, elle se voit aussi en matière de séparatisme, puisqu'actuellement une loi est débattue. En décembre dernier, vous déclariez auprès du journal L'Opinion que la future loi séparatisme devait être débattue sans passion et vous plaidiez pour une ligne médiane en matière de sécurité. Cette loi, elle a dans l'un de ses objectifs, l'idée de vouloir quand même réaffirmer les principes républicains.
La stratégie qui est visée par Emmanuel Macron, c'est une stratégie qu'on pourrait qualifier de consensuelle. Quand Emmanuel Macron déclare, par exemple, qu'il faut faire bloc contre le séparatisme, terme qu'il semble aujourd'hui privilégié au communautarisme. Pourtant, faire bloc, ça ne va pas de soi. Vous soulignez vous-même que la droite cristallise l'électorat sur ces questions et vous dénoncez parfois une gauche en tête à queue idéologique. Est-on réellement aujourd'hui capable et est-on encore capable de faire nation en s'appuyant sur nos principes républicains sur des sujets tels le séparatisme ou la laïcité, alors même que nos principes républicains semblent plus fragilisés que jamais? Est-ce qu'on n'a pas finalement un écart entre la théorie des principes républicains qui peuvent sembler parfois de loin un peu immuables et de l'autre côté l'application de ces principes dans une société en constant changement? Bon, d'abord, l'application des principes républicains implique, si on veut qu'elle soit ferme, comprise et qu'elle fasse consensus, le refus par chaque républicain d'instrumentalisation des valeurs à des fins politiques de court terme. La lutte contre le communautarisme, elle suppose qu'on utilise la totalité des instruments juridiques déjà existants, qui pour les plus efficaces d'entre eux sont les plus anciens. Je pense à la loi de 1905, et je vous renvoie à l'article 31 de la loi de 1905, qui pose comme principe celui de la pénalisation de tout individu qui exercerait une pression sur son prochain en vue de le voir exercer sa religion d'une manière plutôt que d'une autre, c'est-à-dire qui exercerait une pression psychologique sur un individu pour le conduire à pratiquer sa religion d'une certaine manière, ou qui obligerait des individus qui n'ont pas de religion à adhérer à la religion de celui qui fait pression. Bon. La loi de 1905 avait prévu cette situation, et elle avait prévu la pénalisation de ces comportements. Donc on n'a pas besoin d'aller au-delà de ce que comporte un certain nombre de textes de loi. On a simplement besoin de les appliquer. Ce n'est pas parce que vous n'appliquez pas des textes de loi existants qu'en en prenant d'autres, vous les appliquerez davantage. Il faut toujours, lorsque l'on traite de ces questions, regarder ce qui, dans l'arsenal législatif existant, est déjà susceptible d'être utilisé et le mettre en œuvre en expliquant comment on l'a fait, non pas comment on va le faire, mais comment on l'a fait. Bon, lorsque j'ai décidé, par exemple, de procéder à la fermeture de lieux de culte dans lesquels on appelait provoquer au terrorisme, soutenez-vous par exemple de la mosquée de Lagny, je me suis fondé sur les textes existants. Personne n'a pu m'empêcher à ce moment-là de mettre en œuvre ces textes lorsque c'était nécessaire et ni d'expulser des prêcheurs de haine qui, dans les mosquées, appelaient provoquer au terrorisme. Donc, nous avons un arsenal législatif déjà existant, mais il y a une tendance des gouvernements, et celui-ci me paraît avoir cette tendance de façon plus affirmée que certains qui l'ont précédé, de considérer que rien n'existait avant lui, qu'enfin les choses sont faites, et à instrumentaliser toutes ces questions pour faire une démonstration politique, plutôt que de la faire dans les actes, par les actes, en appliquant les textes existants, sans essayer systématiquement d'être dans cette stratégie destinée à montrer que tout vient de commencer à l'instant. Quand j'entends certains ministres dire « enfin on va lutter contre l'islam radical », « enfin on va lutter contre les prêcheurs de haine », « enfin on va fermer les mosquées dans lesquelles… bon, » et que je sais ce que j'ai pu conduire personnellement comme ministre de l'Intérieur, je vois une fois de plus une manifestation de ce qu'est devenu la politique. Donc appliquons bien les textes qui existent et appliquons-les de façon ferme et résolue. Il peut arriver qu'il y ait des sujets sur lesquels des dispositions législatives supplémentaires soient nécessaires. Par exemple, dans la loi sur le séparatisme, il y a une volonté d'appliquer la neutralité du service public aux délégataires de services publics qui sont des structures privées. Par exemple, cette mesure, elle n'existait pas. Et j'en approuve l'esprit et le contenu. Donc, il faut sur ces sujets-là être, encore une fois, ardemment républicain, utiliser l'ensemble des dispositions qui existent et avoir l'honnêteté de reconnaître que lorsque les dispositions n'existent pas, elles sont utiles. Et si elles sont utiles, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, il faut avoir le courage de les voter. Et voilà quelle est ma position. Et je pense par ailleurs
que sur la question républicaine, on ne peut, il n'y a pas d'en même temps possible. Sur la question républicaine, on ne peut pas trouver du charme à certaines formes de multiculturalisme empruntées des modèles anglo-saxons et être à la fois un laïc soucieux de l'unité, de l'indivisibilité de la République. C'est, là, il faut faire un choix. On ne peut pas être tout à la fois en même temps. Moi, je suis très désireux de voir chacun reconnu dans sa différence et c'est la raison pour laquelle je suis un républicain laïc ardent. Parce que je pense que la meilleure manière de vivre ensemble quand on est différent, c'est de prendre conscience dès le plus jeune âge qu'il y a un creuset de valeurs, qu'il y a une licence qui nous est commune et qui est plus fort ce creuset de valeurs que ce qui peut nous différencier. Et c'est précisément parce qu'il y a ce patrimoine républicain que nous avons en commun et qui est incarné par un ensemble de valeurs, le respect, l'altérité, la laïcité, qui permettent de dépasser ce que sont nos singularités pour vivre ensemble, que nous pouvons vivre ensemble en étant différents. Donc, je ne suis pas favorable à une société monolithique, au motif que je souhaite une République une et indivisible, mais je souhaite une République une et indivisible et laïque, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'accepter l'autre dans sa différence, en étant dans l'altérité et le respect. Et c'est la raison pour laquelle je condamne le tête-à-queue idéologique dont vous parliez tout à l'heure, qui, en mettant l'accent sur les identités, en mettant l'accent sur les approches racialistes, dont j'entends dire qu'il est tout à fait légitime qu'il y ait des réunions dans lesquelles il n'y ait que des gens de couleur pour lutter contre le racisme, ça veut donc dire que la lutte contre le racisme ne serait plus un sujet que l'on pourrait partager universellement, blancs et noirs rassemblés dans le même mouvement, dans la même ardeur de lutte contre les discriminations, et que finalement, ce qui est acceptable dans inacceptable dans les discriminations ne pourrait pas nous indigner au point que nous pourrions nous indigner ensemble. Ce raisonnement, vous voyez bien, n'a pas de sens. Et donc, ce tête-à-queue idéologique est précisément ce que je dénonce, parce qu'il me paraît tout à fait contraire à l'héritage de la gauche et à son universalisme. Je comprends très bien toutes les luttes qui sont menées contre les discriminations. Et non seulement je comprends, mais j'approuve tous ceux qui poussent l'État à être davantage, toujours davantage ardent dans la lutte contre les discriminations, mais je n'accepte pas cet abandon, cet abaissement. Mais par exemple, Et je pense qu'il faut rappeler ça avec force. Oui. Donc, par exemple, pour en revenir à la question de l'UNEF, donc le syndicat étudiant qui suscite depuis quelques semaines une vive polémique concernant, vous en parliez, hein, des discriminations de réunions, organisation de réunions non mixtes, lors desquelles sont uniquement conviés soit des femmes ou des populations discriminées à cause de leur couleur de peau. Donc le scandale ne s'est pas arrêté. L'UNEF a relayé par un tweet des affiches de l'IEP de Grenoble accusant, donc en les nommant, des professeurs de l'IEP d'islamophobie. Et on remarque donc que l'échiquier politique s'embrase et s'affronte alors autour d'une possible nécessité de dissolution de l'UNEF. Donc on pourrait bien dire que l'UNEF pourrait bien être l'un de ces groupes gauchistes que nous avons mentionnés. Et la question est la suivante, c'est finalement, est-ce que l'organisation de réunions non mixtes par l'UNEF est-il une solution pour rendre compte et combattre les discriminations en France, ou plus loin encore, faut-il aller jusqu'à la dissolution de cet organisme? Moi, je ne suis pas pour la dissolution des organismes. Je suis pour qu'on les combatte politiquement quand on n'est pas d'accord. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se mettre à dissoudre toutes les organisations avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et quand ces organisations ont une dimension terroriste, mais ce n'est bien entendu pas du tout le cas de l'UNEF, comme des groupes terroristes qui préconisent la violence extrême, qu'on les dissolve, est tout à fait normal. Mais l'UNEF prend des positions que je ne partage pas, que je combats, mais moi je ne souhaite pas la dissolution des organisations composées de ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord, parce que sinon il n'y a plus de débat dans ce pays. Et je pense qu'il faut arrêter cette démarche aussi en France, qui consiste à jouer le jeu de la radicalisation et des organisations radicales en préconisant les solutions les plus extrêmes, lorsque tout simplement la convocation des arguments suffirait à les réduire. Donc moi, je souhaite que ce qui se passe à l'UNEF soit combattu, parce que c'est complètement contraire à l'idée que je me fais de la République, mais combattu sur le terrain intellectuel, parce que c'est sur le terrain intellectuel
sur le terrain de la confrontation des idées que ces sujets doivent se régler. Sur la question de l'islamisme dont vous parliez tout à l'heure, laissez-moi en dire un mot. Pour moi, l'islamisme, c'est un totalitarisme. Et je vais vous dire pourquoi l'islamisme est un totalitarisme. L'islamisme est un totalitarisme parce que, partant d'une conception rigoriste et littéraliste de la religion musulmane, il prétend non seulement dicter aux musulmans eux-mêmes la manière dont ils doivent pratiquer leur religion, et fait subir sur les musulmans qui sont dans une pratique soufiste, modérée de leur religion, une pression intolérable et inacceptable. Partout où il s'installe, il s'empare de la société, des organisations publiques pour semer la terreur. Ce qui s'est passé au Normandie, en Iran, montre ce que l'islamisme produit d'organisations politiques et sociales. Et donc, c'est une soumission de l'ensemble des manières de penser, d'organiser la vie sociale au dogme d'une religion qui préconise l'intolérance et non seulement la discrimination, mais l'éradication de ceux qui ne se soumettent pas à son dogme. Et regardez ce qui s'est passé et qui est monstrueux avec les yézidis de la part de l'État islamique en Syrie. Donc l'islamisme est un totalitarisme. Bon. Dire que l'islamisme est un totalitarisme, est-ce de l'islamophobie ? Ben, absolument pas, parce que moi j'ai passé, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, beaucoup de temps à aller à l'encontre des musulmans dans les mosquées de France, et qu'ai-je vu ? J'ai vu nos compatriotes de confession musulmane ardemment attachés à la République, souffrant terriblement de la pression que les islamistes exerçaient sur eux, désireux de voir la République les en libérer, et désireux de voir la République faire en sorte que ce combat soit mené avec force pour que les musulmans n'aient plus honte du dévoiement de leur religion par une minorité incarnant des marches totalitaires, les islamistes. Donc, si on est attaché à ce que la République prenne tous ses enfants dans ses bras, si on est attaché à ce que les musulmans ne soient pas discriminés, qu'ils aient leur pleine et entière place dans la République, alors il faut combattre ceux qui donnent de leur religion cette image monstrueuse et qui s'en prennent à eux. Parce que si je devais faire la liste des musulmans qui sont tombés sous le feu des islamistes en France pendant les attentats, je vous parlais d'Ahmed Merabé tout à l'heure, je ne l'ai pas dit en l'évoquant, mais Ahmed Merabé, c'est un policier de confession musulmane, de nationalité française, qui porte l'uniforme de policier et qui est tué par des islamistes alors qu'il est lui-même musulman. Ils n'ont pas hésité à tirer sur lui. Combien de musulmans sont tombés pendant les attentats au Bataclan, à Nice, et combien de musulmans ont subi dans les mosquées les processus d'ostracisation, de pression absolument puissante et souvent inhumaine exercée par les islamistes. Donc si on est désireux de lutter contre toutes les formes de racisme, de haine, on doit commencer par combattre les totalitarismes qui, précisément, ne vivent que de l'ostracisation, de la haine de l'autre, et organisent partout où ils accroissent leur pouvoir, la discrimination. Je dirais presque que c'est mon attachement à la communauté musulmane qui me conduit à lutter contre l'islamisme. C'est la volonté que j'ai de voir la République prendre dans ses bras tous ses enfants, quelle que soit leur religion, qui me conduit à lutter contre l'islamisme. Et quand je vois certains qui, au motif qu'on mène ce combat, hurlent à l'islamophobie, mais qu'ont-ils dans la tête ? Qu'ont-ils compris à ce qui se joue ? Que leur reste-t-il de ce qu'est l'idéal républicain au fond du cœur et dans l'esprit ? Et il faudrait, par rapport à cela, rester inerte, être dans des demi-mesures, essayer de faire des compromis. Bien, Monsieur Cazeneuve, merci pour ces réponses. Nous allons passer assez rapidement aux questions du public. La première question du public nous provient d'une personne qui nous demande si, finalement, face à ces divisions de la gauche et à ce tête-à-queue idéologique sur lequel nous avons insisté, est-ce qu'on a encore une crédibilité de la gauche de façon générale en termes de laïcité, en termes de république d'autorité, de sécurité par rapport à ces questions ? Mais
il ne faut pas confondre la gauche dans sa grande histoire, la gauche dans son héritage, la gauche dans l'exercice des responsabilités qui fut capable de faire de grandes choses, la gauche dans le pays, c'est-à-dire la gauche à laquelle des électeurs sont attachés dès lors qu'elle représente cette tradition humaniste et qui ne se retrouve plus en elle, mais l'attendent. L'attendent. Et ce que quelques compromis ou abandons ou abaissements d'appareil peuvent produire, ce n'est pas ça la gauche. La gauche, c'est ce que nous portons avec nous d'héritage, de bagage, de valeurs qui viennent de la grande histoire de la gauche et qui ne viennent pas de cette espèce d'abaissement, de tête à queue que je condamne et qui, effectivement, comme le dit la personne qui me pose cette question, ne peut qu'aboutir à l'affaiblissement, à la division et à l'absence de crédibilité. Mais moi, je ne suis pas résigné à cela parce que j'ai la passion de l'histoire, je sais d'où l'on vient. Je sais qui furent ceux qui nous ont précédés. C'est très curieux, cette incapacité que j'espère temporaire où se trouvent les socialistes d'évoquer le travail de ceux qui les ont précédés. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un avenir si on n'a pas de mémoire. Si vous n'avez pas de mémoire, maintenant en tant qu'individu, vous avez beaucoup de difficultés à vous projeter dans l'avenir. Quelle est la boussole? Où se trouve le chemin? Comment est-il jalonné? Donc moi, je suis... critique, je suis triste, bien sûr, de ce qui se produit, mais je ne suis en aucune manière résigné. Et d'ailleurs, si je viens ce soir vous parler, si je m'exprime de temps à autre quand j'estime que les sujets le justifient et qu'il est important de le faire, parce que je n'ai rien perdu en moi de ce qui m'a conduit à entrer en politique, mais j'ai passé l'âge de faire des concessions avec des apparatchiks. Donc, nous avons une autre question. Un auditeur qui concerne également la gauche, qui dit donc « Bonsoir Monsieur Cazeneuve, la gauche est-elle encore crédible sur les questions de laïcité, de république d'autorité ou de sécurité face aux déclarations de certaines personnalités de la gauche ?» Cette question, je viens d'y répondre, elle vient de m'être posée. Je veux y répondre de nouveau, mais si vous en avez une autre, c'est j'en ai d'autres, ne vous inquiétez pas. J'en ai une autre sous la main. Donc un auditeur qui nous dit que finalement la lutte contre l'islamisme ne doit-elle pas passer aussi par la lutte contre ceux qui ont des positions ambiguës à son égard, donc comme l'UNEF par exemple. Et je crois vous avoir dit ce qui était ma position sur ce sujet. Je ne pense pas à m'être exprimé de façon ambiguë. Je pense qu'il faut mener le combat politique et il faut mener le combat politique avec des arguments. Il faut mener le combat politique non pas avec des postures, mais avec un cerveau. C'est mieux de faire en sorte que la politique naisse dans cette partie-là d'anatomie. Ça produit généralement plus de résultats. Bien, on va passer sur une dernière question du public. Monsieur le ministre, j'ai le sentiment qu'il y a parfois des oppositions entre les lignes de conduite du ministère de l'Intérieur et ceux du ministère de la Justice. Le renseignement a évolué ces dernières années. D'énormes efforts sont mis en œuvre pour lutter contre la criminalité du côté du ministère de l'Intérieur. Mais la justice ne suit pas, une part toujours plus importante de dossiers finissent classés sans suite. Notre taux de condamnation en pénal de nos criminels est ridiculement bas. Les efforts déployés d'un côté pour la sécurité ne sont-ils pas gâchés d'une certaine façon par une justice qui peine à appliquer ceci ? D'abord, la justice est dans une situation de paupérisation préoccupante. J'étais il n'y a pas très longtemps devant l'École nationale de la magistrature. Les magistrats font un travail difficile. Ils sont eux-mêmes confrontés à ces difficultés, à cette violence dont je parlais, et ils le font dans un contexte où les moyens qui leur sont alloués, c'est depuis très longtemps, ne sont pas à la hauteur de la tâche qu'ils doivent accomplir. Donc cette paupérisation de la justice, comme la détérioration constante depuis des décennies de la condition pénitentiaire, pose un problème considérable de traitement de ceux qui ont commis des infractions pénales graves et qui peuvent être à l'origine d'actes de délinquance préoccupants. Deuxièmement, moi j'ai eu la chance d'être ministre de l'Intérieur à l'époque où il y avait au ministère de la Justice Christiane Taubira, à laquelle on a fait une réputation, la droite notamment, le laxisme. Mais Christiane Taubira est une femme d'État. Et Christiane Taubira, lorsque nous avons été confrontés au terrorisme ensemble, à la délinquance,
a montré une identité de vue avec moi et moi avec elle sur ces sujets, parce que nous étions dans la même logique. Et lorsque les policiers, alors que j'étais proche d'eux, sont allés manifester place Vendôme au moment du mécontentement qui agitait la police, et je me suis permis de dire aux organisations syndicales, vous trompez de direction. Et manifester devant la place Beauvau, auprès de votre ministre qui doit vous rendre des comptes, mais ne créons pas les conditions de l'affrontement entre magistrats et policiers, et tout simplement parce que les uns avec les autres doivent remplir une mission qui est extraordinairement difficile et pour laquelle il est du devoir de l'État de leur donner les moyens d'accomplir correctement leur mission, c'est le respect de l'ordre public. Parce que lorsque l'ordre public s'efface, ce sont les plus faibles qui sont victimes de l'effacement de l'ordre public. La confrontation par la violence, les premières victimes en sont généralement les plus démunies. Donc si on est de gauche, c'est aussi un sujet qu'il faut avoir à l'esprit. Bien, Monsieur Cazeneuve, merci pour ce débat. Ce fut, à titre personnel en tout cas, un très bon moment que j'ai passé en votre compagnie ce soir. Merci à vous. Pour vos analyses très précises qui nous ont bien éclairés ce soir. Merci beaucoup à tous de votre accueil et merci pour vos questions stimulantes, posées sans concession et qui m'ont permis de développer ce à quoi je crois. Merci à vous.